Mais ils ont une disponibilité. Allez, à vous, je suis tout petit à côté de lui, hein. Le camping-car Morello Palace, c'est l'épicentre du luxe nomade. Explore l'épicentre du luxe nomade avec la présentation exclusive de ce camping-car Morello Palace. C'est ce que je te propose aujourd'hui en fait. Découvre un monde de sophistication itinérante où confort et élégance se rencontrent pour redéfinir tes voyages. Ou encore plonge avec moi dans un raffinement absolu avec des fonctionnalités de pointe et une esthétique incomparable. Salut Chris et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel. Camping-car pour les ch'tis belges, c'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran en haut à droite, je sais plus où c'est, hein, si tu es devant ton PC, sinon tu la retrouveras sous la vidéo, évidemment le lien qui t'y conduit. Tu vas voir, elle est différenciante cette chaîne. Et si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, c'est les trois petits points situés devant ton smartphone, tu auras encore plus d'infos comme par exemple comment recevoir gratuitement ma checklist pour préparer tes futurs voyages en ayant emporté tout, sauf tes beaux-parents, parce qu'ils ne sont pas beaux. C'est juste en dessous, pas les beaux-parents, hein. Le lien. Cette fois-ci, je ne suis pas dans une concession, mais bien chez le constructeur Morello en Allemagne. Autant aller directement à la source quand c'est possible. Sais-tu que j'ai une playlist qui est consacrée aux véhicules de luxe? Si tu es devant ton personal computer, elle s'affiche en haut à droite de ton écran. Sinon, c'est sous la vidéo. 6 packs et 34 options, soit un total de 55 options. Qui dit mieux? Il y en a beaucoup trop que pour les énumérer. Nous sommes évidemment à nouveau sur un véhicule de prestige. Côté dimension, à peine moins de 9 mètres de long, 2,40 mètres de large hors rétroviseur et 3,50 mètres de haut. À peu de choses près, ce sont les mêmes dimensions que le Palace Alcove que je t'ai déjà présenté. La hauteur intérieure est de plus de 2 mètres. Et tu sais pourquoi c'est en dessous de 9 mètres? Parce que c'est un aspect psychologique. Les gens veulent absolument un véhicule de moins de 9 mètres parce que sinon c'est trop long. Mais quand ils rentrent dedans et qu'ils voient qu'il y a certaines concessions à faire, ils partent à ce moment-là et au-dessus des 9 mètres, ils arrivent en général vers 9,40 mètres. Ça, c'est pour la petite histoire. Pour les payages français, tu passeras en catégorie 4 avec ou sans remorque. Je sais, tu vas me dire que j'ai pas besoin de les prendre, ces autoroutes. Ai-je besoin de te dire qu'il te faudra au moins le permis C1 pour pouvoir se conduire ce palais roulant? Son PTAC, le poids maximum autorisé, est de 7,490 tonnes, 7,90 tonnes, ce qui est la limite pour le permis C1. Le poids en ordre de marche est de 5,540 tonnes, soit pratiquement 2 tonnes de charge utile. C'est un 4 places carte grise et tu pourras tracter un attelage de maximum 3 tonnes 500 kg. Ici, c'est un 2 places, il n'y a que 2 couchages, mais tu peux l'avoir en 4 places avec un lit pavillon à l'avant. Tu pourras tracter cet attelage de 3 tonnes 500 kg à deux conditions. Avoir au moins le permis CE1, qui n'a rien à voir avec le B1, je ne parle pas du C, mais du E, et aussi évidemment que l'attelage soit freiné. Sinon, tu resteras sur la classique remorque de 750 kg. Ce qui est pas mal, mais ça fera rikiki. Le porteur est mon favori, l'Iveco Daily, je ne sais pas comment tu veux dire, avec son moteur de 3 litres, s'il vous plaît. Dans cette version, il développe 210 chevaux, c'est même le même moteur que dans l'Alcove que je t'ai présenté. Et il a aussi une boîte de vitesse à commande automatique à 8 reports. Ai-je besoin de te rappeler que c'est mon porteur préféré? Et ici, tu as un essieu élargi à l'avant. Et ça, c'est plutôt rare. Et il y a aussi les vérins hydrauliques. La capacité des réservoirs de carburant est de 200 litres. Oui, oui, 200 litres. Et 25 litres pour l'AdiBlue. Je te rappelle l'importance d'ajouter l'additif qui empêche la cristallisation à chaque plein d'AdiBlue. Sans quoi tu devras remplacer bien plus vite que prévu le gigleur et ça te coûtera plusieurs centaines d'euros.
Je sais pas si je dois le souligner, mais forcément ici, tu es sous un double plancher et qui a une hauteur intérieure utile de 42 cm. C'est plutôt rare, ça. Peut expliquer d'ailleurs les 3,50 m de haut. Hein. Tu vas voir, tu vas pouvoir en ranger des choses dedans. Côté cellule, c'est du tout alu, ce qui est le cas dans les plus grandes marques. Et comme Carthago et Nisman, c'est du double alu. Je m'explique. Les parois extérieures et intérieures sont en aluminium. Évidemment, la paroi intérieure est recouverte d'un autre matériau moins austère. Est-ce que j'avais besoin de te le dire ? De toute façon, tu l'aurais constaté. Le toit est renforcé d'une couche de fibres de verre prévue pour résister à la grêle. Top, j'ai envie de dire. Autre remarque, la structure est collée de manière à éviter les dégâts avec le temps quand la cellule se tord sur les routes dessinées en 3D, si tu vois ce que je veux dire. Et entre les deux, alu, hein, il y a un isolant qui rendra tout le monde heureux. C'est ce qu'on appelle de l'XPS X plus RTM. En plus d'avoir des performances isolantes hors normes, en plus d'empêcher la moisissure, en plus d'être ultra léger, il est fabriqué à base de matières premières recyclées et qui est à nouveau recyclable à 100% après. Que du bonheur à mes yeux. Et visiblement, contrairement à la majorité des isolants, du type styrofoam utilisé dans la majorité des véhicules de loisirs, il est assez flexible que pour accepter et éviter surtout la déformation après un coup. Hein, par exemple, certains véhicules, après la grêle, l'alu, il est cabossé. Et bien, si tu les redresses, l'isolant en dessous ne va pas reprendre sa forme et il se décolle et c'est le début des ennuis. Pour l'épaisseur de cette paroi, c'est 52 mm. Paroi et toit, évidemment. Alors, dans la vidéo de l'alcôve, j'ai dit « un toit pour toi ». Et puis, j'ai rajouté, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire. Mais je ne le dirai pas cette fois-ci. Hein. Pour te chauffer, c'est un chauffage central au gaz et électricité de 5500 watts avec aussi un chauffage route qui va récupérer les calories du moteur pour chauffer l'habitacle dans la cellule. Donc, il utilise le circuit du chauffage Aldé pour chauffer la cellule. Et il y a aussi, en plus, un circuit de chauffage séparé pour le garage arrière. Comme ça, tu peux le mettre si tu as des choses importantes à être à la chaleur ou le couper si c'est des choses qui doivent être au froid. C'est réglable séparément et le chauffage, c'est un Aldé. C'est la Rolls pour moi. Et pour mon plaisir, c'est un WC de type nautique. Bye bye les WC chimiques. La capacité des eaux propres, 360 litres. Les eaux usées, 250 litres. Je pourrais dire, oh, mais 250 litres sont ajoutés pour les eaux noires. Et là, je dis, ah, ah, ah. Tu l'as compris, Morello a tout compris. Bravo, j'ai envie de dire. Côté frigo, c'est 177 litres de contenance qui sont proposés. 177 litres. Et ici, et de nouveau, Merlo, il a tout compris, c'est un frigo à absorption. Mais il est spécial. Je vais te le montrer parce que je pensais même que c'était un absorption. Mais non, non, c'est bien la compression. Logique d'avoir tout ce qu'il faut qui est relié à l'électricité quand tu vas voir ce qui est embarqué. Tu as même, par exemple, un four micro-ondes, la machine à café Nespresso. Ce ne sera pas le cas dans ce véhicule, mais tu peux avoir un lave-vaisselle. Ce sera dans l'autre véhicule, l'Empire, que je vais te présenter. Mais il n'est pas encore en ligne. Quand tu le regarderas, peut-être que ce sera en ligne à ce moment-là. Tu peux même avoir une machine à laver. Et pour conclure sur les appareils énergivores, il y a même une climatisation qui est dans l'habitacle et qui peut tourner aussi en autonomie sans être branché à l'électricité. La suite logique est que je te parle évidemment de la production énergétique pour répondre à ces nombreuses demandes. 260 watts de production fournie par des panneaux photovoltaïques de type Blackline qui continuent à produire de l'énergie même s'il y a une partie d'un panneau qui est ombré. Bon, il faut être clair, il faudra quand même de la lumière du soleil. Hein. Je dois quand même souligner qu'ici, c'est 300 watts de moins que le Morello Palace Alcoven que je t'ai déjà présenté. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement une demande du client, puisque c'est vendu. Il y a une batterie au lithium de 340 ampères, ce qui est pas mal, mais dans d'autres, tu verras, il y a le double. Et c'est accompagné de tous les accessoires pour booster et pour charger. Et ici, il y a également, mais c'est le cas dans tous les Morello, je pense, un convertisseur de 3000 watts. Tu pourras même ajouter un groupe électrogène à essence si tu en as besoin, ce qui sera peut-être le cas ici, je n'en sais rien.
mais je ne l'ai pas vu dans les accessoires. Au niveau du couchage, c'est un lit central qui mesure 2 mètres de long sur plus de 1,60 m de large. Qui dit mieux ? Et pour terminer, au niveau des coloris et des matières, accroche-toi bien, tu as le choix sur différentes couleurs, mais je te mets les images, tu vas le voir, que ce soit pour le plan de travail de ta cuisine, que ce soit pour la table, pour le plancher, pour les meubles, pour les coussins, pour les revêtements muraux ou encore pour les tentures. C'est quasiment du sur-mesure. Si tu es intéressé par découvrir comment Morello fabrique ses véhicules de loisirs, le lien de cette exclusivité est aussi sous cette vidéo et il apparaît en haut à droite de ton écran si tu es devant ton ordinateur. C'est dans la démesure ici. Hein. Pour moi, ça, c'est trop grand. Hein. Vraiment. Mais bon, voilà, c'est moi. Tu as tout, évidemment. C'est aussi sur le châssis Iveco. Hein. Je vais te montrer dedans. Voilà quoi. C'est du LED, c'est de l'antibrouillard, c'est halogène, c'est des lave-glaces essuie-glaces. Les lave-glaces, ils sont là, les essuie-glaces. Voilà. Une caméra pour voir devant, et ça c'est très bien en termes de sécurité. Les détecteurs de luminosité, probablement de pluie aussi. Ici on est vraiment dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on connaît. Hein. Je te l'ai dit, ce sont des essieux élargis. Ça c'est plutôt rare, hein, parce qu'en général quand tu vois les véhicules à l'avant c'est plus étroit, et puis à l'arrière c'est plus large. Large en général à l'arrière c'est toujours le cas. Cette trappe là c'est pour ton AdiBlue, que tu ouvres ici. Hop. Tu vois, voilà, et hop, tu as ton AdiBlue. C'est bien, tout métal. Très casse pas. Tant qu'on est là, tu n'as pas l'option éclairage, tiens, ici. Là, tu vois, voilà, c'est bien. Dans l'alcoven, l'espace, le palace alcoven, tu l'avais. Ici, tu l'as pas. Voilà. Par contre, tu as un aspirateur ici. Là, c'est comme dans l'alcoven. Je vais aller un peu plus vite, mais si tu veux avoir des détails sur certaines choses, tu vas dans le Palace Alcoven, et là, j'ai expliqué tout en détail. Là, tu as l'aspirateur que tu n'avais pas dans l'alcoven. Ici, c'est ton système de sécurité. Si tu as oublié le code de ta porte, donc tu as ta clé, tu sais ouvrir la soute et tu pourras l'ouvrir. C'est évidemment large. Ici, normalement, la soute, elle est complètement large, mais ici, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a un réservoir d'eau plus grand. Je te l'ai dit, hein, je suis plus 500 litres, je crois, je ne sais plus. Et donc, ça empiète ici. Voilà. Voilà pour cette partie. Évidemment, ce sont les mêmes baies. C'est tellement, tellement magique, j'ai envie de dire. Hein. Hop, voilà, ça referme. Donc, tu as... le store qui est camouflé dedans, tu as l'éclairage tout long, tu as les caméras 360 degrés drone, ça l'est, c'est bien, franchement, voilà. Qu'est-ce que... Ah, on ne sait pas l'ouvrir ici, mais tu vas voir, il y en a qu'on sait ouvrir. Ça glisse, mais tu vas voir, la fenêtre glisse, j'ai oublié de te dire... En termes de sécurité, tu vois ce qui se passe à l'avant de ton véhicule, en plus de la caméra, tu as des rétroviseurs, c'est un bus, c'est un car. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on va le voir dans ceux que je vais filmer aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu as à l'intérieur, ce rétroviseur-là est à l'intérieur et c'est une caméra qui est au-dessus. Je sais qu'il y en a chez Morello, mais je ne sais pas si c'est dans ceux que je vais te présenter. Au niveau de la porte, eh bien, tu vois, c'est à code, tu vois. Tu as aussi le système de puce que tu peux ouvrir, télécommande. Les charnières, elles sont invisibles. Tu vas voir, elles sont pas mal. La poignée, elle fait, je peux te le dire, 70 cm, 70 cm. Hein. Je les ai mesurés dans le coven. Voilà, 70 cm. Voilà, la poignée pour ouvrir. On le fera après. Ici, c'est tout ce qui est... regarde, tu as un petit éclairage ici. Voilà, il s'allume tout seul. J'avais même pas vu, tiens. Regarde, quand tu vas dessus, je l'éteins, le mien, c'est le booster pour charger tes batteries, c'est tous les relais pour la marche électrique, c'est tes fusibles, le Teco général pour le 220 volts et pour les panneaux solaires ou l'inverse, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a là, voilà, les relais pour tes batteries, etc.
Pour ton panneau solaire, il y en a moins, non, si, je te l'ai dit. Hein. Pour ta batterie de 340 ampères, c'est juste à côté. Et ici, c'est pour ton électricité. Donc, tu peux l'enlever tout simplement, comme ça. L'électricité, en fait, elle vient par en dessous, tu vois. Hop, tu vois, c'est un détecteur. Et ici, c'est pour ton plancher. Tu peux couper le chauffage de ton plancher si jamais tu as un animal qui ne supporte pas la chaleur sur ses pattes. Voilà, ça c'est pour ce côté ici. Ici, c'est pour ta toilette. Donc, de mémoire, il doit y avoir une trappe qui est là. Je l'avais bien dit. Voilà. Là. Voilà, je te l'ai montré dans l'autre. C'est pour ta toilette. C'est un broyeur, hein, donc. Mais si jamais tu dois intervenir parce que quelqu'un a jeté quelque chose dedans, bah, tu peux le faire. C'est prévu, quoi. C'est plutôt bien, franchement. Voilà. Et tu vois les joints. Regarde un petit peu les vérins. Tu as une poignée, hein, mais deux points de fermeture et tu peux encore l'ouvrir. Vraiment. Je suis assez ébahi par ce que je vois. Surprise pour moi, ça fait partie des options. Tu as ce que je vois, Truma, c'est pas un chauffage Truma pourtant. En fait, c'est pour ton barbecue. Bien, bien. Et alors là, il faut savoir, tout ce qui est là, c'est fort compacté à l'avant. C'est parce que dans ce véhicule-ci, tu peux prendre ta voiture avec. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils ont dû vraiment, évidemment, tout pousser par là. Tu vois, en fait, tu as des contacteurs, une fois que le véhicule arrive ici, ça s'arrête, comme ça, ça rentre pas dans. Donc, peut-être que j'ai dit une erreur, que le réservoir qui prend un peu dans la soute, c'est pas à cause que c'est un plus grand réservoir, mais parce qu'ils ont dû repousser tout par là, quoi. Mais ici, tu peux prendre ta voiture avec. Tu as le même véhicule, hein, mais sans le garage. C'est une soute, entre guillemets, ordinaire, elle est immense, mais plus courte que celle-ci, et alors tu gagnes de la place pour le reste, évidemment. Donc ça peut être intéressant. Et une deuxième chose, quand tu as le garage, comme tu vas le voir, le lit, il est surélevé, ce qui est normal. Je ne sais pas si tu te rappelles le Notin. En haut à droite, je vais te mettre un lien, sinon c'est en dessous. C'est la même chose, le lit est élevé, mais il faut la place, évidemment, pour la voiture, quoi. Donc voilà, donc je te montre ça, on va rentrer dedans, hein. D'abord, regarde, tu vois. J'ai oublié de le dire, mais c'est tout du LED. Caméra 360 degrés, puis ta caméra ordinaire. Enfin, une caméra ordinaire. Voilà. On rentre. Hein. Allez, je t'emmène avec moi. Et garde. La même chose ici, c'est pour si tu veux que ta soute soit chauffée ou pas. Si c'est une voiture dedans, ne la fais pas chauffer parce que l'odeur de l'huile, etc., risquerait de remonter. Bien que tout est capitonné, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux. Chauffage qui passe, tu vois, voilà. Tu as les cales, tu as tout ce qu'il faut pour bloquer les roues. Et je peux même me mettre dedans. Donc, la soute fait plus d'un mètre 67. À mon avis, elle fait 1m70, 1m70. Tu vois, ils ont dû mettre le convertisseur ici. Hein, et tout, tu vois, c'est pour la batterie, tu vois. Voilà, tu as pour sangler sur le côté, tout est capitonné, il y a de l'éclairage. Je sais pas par où on l'allume, je sais pas où on allume l'éclairage. Enfin, ça a tellement peu d'importance sur le coup, tu vois. Tu as des règles pour sangler des deux côtés. Ah ben, l'éclairage est là sûrement. Et comme tu es à l'arrière, je vais pas le dire, il en faut des deux côtés. Là, c'est pour la porte, c'est pour les vérins, c'est... Pff, regarde les charnières. Waouh, oh. Waouh, wow, j'ai envie de dire. Oh, oh, oh. Hop. Tout blender, hein, c'est super. Et je continue. Le porte-à-faux du palace. Bon, ici, c'est pour rire parce que... Hein? Bon, mais... Le porte-à-faux ici, il est de 3 mètres, quoi. Et la hauteur,
35 cm. Donc il faut vraiment faire attention où tu roules avec, quoi. C'est une des raisons en plus pour lesquelles je ne saurais pas acheter ce type de véhicule. Moi. De ce côté-ci, c'est la même porte, hein. Pourquoi il y a une porte de chaque côté? C'est parce qu'il va falloir que tu viennes sangler ta voiture pour éviter qu'elle ne rebondisse, quoi. Tu vois? Ils ont vraiment pensé à tout. Mais ça, honnêtement, ceux qui font un garage, en général, c'est le cas. Je regarde. T'as un joint là, t'as un joint là. Que du bonheur pour moi, que du bonheur. Pour ton réservoir d'eau, ton chauffage à LED, ici. Ta-ta-ta. Donc, j'ai expliqué tout ça ici, hein, sur le Palace Alcove. Donc, si tu veux voir en détail, va le voir. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, tu as des relais, tu vois, des électrovannes. Ça veut dire que tout est électrique, que tu sais le commander de l'extérieur. Et ça, c'est plutôt bien. Et tu as, en plus que dans l'alcove, une douchette, quoi. Alors, tu peux venir te doucher si tu veux ici. Sinon, tout le reste, c'est tout à fait la même chose que l'alcove. Tu pourras aller le voir. Je trouve que c'est assez intéressant juste pour comprendre les choses. Par contre, tu vois, ça, c'est pour la trappe de gaz. C'est ici. Voilà. Hop. Voilà. Bonbonne de gaz complète, hein. Tu as les lires avec les sécurités. Tu as des filtres, l'inverseur automatique, le crash sensor, t'as tout ce qu'il faut, hein. Alors, je sais pas quelle matière c'est, mais non, c'est pas du métal, hein. Mais bien, l'aération évidemment, voilà. Ici, c'est la soute de tout à l'heure, et là c'est la même chose, c'est pour ouvrir pour ton diesel, pour ton carburant, et là, j'ai oublié de te montrer. C'est pour recharger. Mais ça, c'est nouveau, la même chose que dans l'alcove. Hein. C'est pour vider ton système d'eau grise et noire. Avec, voilà. Va voir dans l'alcove parce que j'ai pas. C'est un peu comme les tableaux de bord. Je vais pas te les montrer chaque fois. Voilà. Mais regarde, c'est qualitatif. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Je referme. Voilà. On a fait le tour. Les baies, j'ai oublié de te dire, elles sont tellement hautes, mais tu les vois. C'est du carbone, je crois que c'est carrément là. Voilà. Les jantes en alliage, mais est-ce que j'ai besoin de te le dire? Voilà. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur, évidemment. Évidemment, tu peux avoir ce type de... comment? D'accessoires, hein, en option, hein, tu vois. C'est vraiment... génial. Et il y a d'autres choses. Et tu peux également avoir des rangements pour ranger. Il y a des fois où moi je trouve que je suis vraiment très fort quand je t'explique des choses, des rangements pour ranger. Allez, on continue. Donc, c'est ici que tu ouvres. Je te l'ai montré tantôt. Tu as un code si tu veux. Voilà, sinon tu ne saurais pas l'ouvrir. Il s'arrête comme ça à 90 degrés, à 90 degrés pour que tu aies facile de l'ouvrir. Mais si tu dois l'ouvrir plus, il n'y a pas de problème, tu sais l'ouvrir plus. Hein. Mais en tout cas, c'est de la facilité pour toi quand tu es à l'intérieur. C'est immense. Hein. Tu as un petit rangement, enfin un petit, c'est profond. Hein. Voilà, tu as du rangement, tu n'as pas de poubelle, mais je vais dire pour une fois dans ce cadre-ci, je trouve que c'est normal. J'ai un peu de difficulté, c'est du plastique. C'est la seule chose qui est en plastique parce que tout le reste est en métal. Bon, pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème, sinon on le verrait sur le réseau, sur les réseaux sociaux. Ici, c'est pour condamner la porte et là, c'est pour l'ouvrir. Tu vois ? Si tu le fermes là, tu ne sais plus l'ouvrir. Voilà, donc vraiment sécurisé, hein, vraiment sécurisé. Alors, évidemment, une porte moustiquaire qui rentre, donc il y a... un U comme ça qui empêche les bébêtes de rentrer. Voilà, bien, bien. Alors ici, je dis beaucoup alors, tiens. Un premier tiroir pour mettre tes chaussures, tes pantoufles. Un deuxième tiroir, là ce sera pour mettre les parapluies. Hein. Eh oui. Là, un aspirateur central, donc ça tu peux l'aspirer partout. Ici,
C'est pour les portes, je l'ai expliqué sur l'alcôve. Hein. En fait, les portes là-bas, c'est des petits boutons, des poussoirs pour ouvrir. Et si tu sais, c'est une sécurité en fait pour ne pas que n'importe qui pousse dessus et ouvre la truc, la soute. Tu appuies là-dessus et tu as le temps pendant une dizaine de minutes de pouvoir aller ouvrir à l'arrière, quoi. Là, c'est pour le côté gauche et là, c'est pour le côté droit. L'inverse quand tu es au volant. Là, c'est l'aération pour le gaz obligatoire. Et là, c'est ta sonde. C'est étonnant, la sonde. Ici, c'est pour tes vérins hydrauliques, mais il faut que je mette le contact, donc je vais pas le faire. Mais tout est ici et c'est logique. Moi, je vois, je dois toujours aller faire le tour. Et si en plus, comme tu n'as pas de porte de ce côté-là, il faut que ça soit ici, quoi. Mais sinon, quand je mets mon véhicule, je dois aller me mettre de l'autre côté, ouvrir la porte, c'est un peu compliqué. Tout est ici, c'est beaucoup plus simple. Pour les marches, ça, c'est l'éclairage. Là, voilà, c'est pour quand tu rentres. Voilà, et là, c'est l'éclairage dehors. Voilà, et là. C'est l'autre à l'intérieur, là-bas. Voilà, et maintenant on fait le tour rapide. Allez, on démarre. J'ai pas perdu le volant, mais c'est un système de sécurité. Tu vois, tu l'enlèves, comme ça, on ne sait pas partir avec ton véhicule. 1. 2. Tu l'enlèves et comme ça, quand tu es à l'arrêt, bah, tu peux tourner le siège que je vais te montrer et tu peux avoir du recul, etc. C'est très bien. Voilà, spécifique. Et c'est bien parce que on voit là, c'est tous les interrupteurs, etc. pour le volant qu'on ne voit jamais parce que c'est toujours à l'arrière. Et à l'avant, tu as évidemment tout ce qu'il faut pour. C'est un Iveco, tout à fait comme l'Alcoven. Donc, non. Oui, c'est un Iveco, etc. Mais le tableau de bord ici, c'est vraiment un tableau de bord que Morello a créé, quoi. Donc, c'est vraiment pas le tableau de bord de Iveco. Mais ils reprennent tout, hein. Je vais te le montrer, mais ça, tu iras voir sur l'Iveco, sur le Palace, comme je t'ai dit, pour que tu le voyes, quoi. Voilà, je dépose mon volant et on commence par le cockpit. Voilà, j'ai coupé. Le clignoteur, il était mis. Ça, c'est les vérins qui se relèvent. Quand tu mets le contact, les vérins se relèvent. C'est comme dans l'autre. Si la marche est sortie, la marche rentre. C'est vraiment super, hein. Vraiment. Donc, tableau de bord, bah, tu le vois, c'est très joli. Je veux te montrer si je sais l'allumer. On va voir. Voilà. Voilà. Boîte automatique. Tu as des. Tu vois, j'en perds mes mots. Là, c'est pour les vérins. C'est pour la suspension. Une suspension sport. Qu'est-ce que tu veux? Je rigole. Et aux suspensions confort. Voilà. Désolé, je rigole. Le frein à main électrique. Là, tu peux la régler. Hein, tu vois? Oh, extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Là. Ah, c'est. Je sais pas si tu vois. Je vais te montrer. Regarde, tu as même. Purée. C'est hallucinant la qualité. Vraiment, c'est hallucinant la qualité. Je suis émerveillé. Lui, je vais l'allumer comme ça. On va le voir. Oui. Regarde, hein. Là, on va mettre. Là. Ah non, là. Voilà, regarde. Ils sont électriques? Ça, c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je le vois. Et évidemment, chacun
à la même chose. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Je dois te dire que je suis impressionné de l'accueil d'abord de chez Morello, mais de la facilité dont ils me donnent les clés. Allez, vas-y, regarde. Ils ont passé hier toute la journée pour m'expliquer les trois véhicules que je vais faire, plus la chaîne de montage que je vais faire ou que j'ai fait, ça dépendra que tu regarderas évidemment la vidéo, plus toute la chaîne de montage, et ça, je vais le filmer demain. Mais ils ont une disponibilité. J'aime bien être très clair. Enfin, tu le sais, de toute façon. J'ai trouvé cette disponibilité dans deux endroits avant. Chez Cartago et chez Notin. Franchement, et Notin, ça a été le premier. Les autres, ils ont un peu vu mon travail, donc ça peut peut-être les réconforter. Mais Notin, lui, c'était sans savoir. Donc franchement, je suis assez... plus tu montes dans les qualités de véhicule, plus ils ont de l'ouverture. Alors qu'aucun des trois, enfin peut-être Notin a les petits véhicules, mais aucun des trois... Cartago aussi peut-être. Mais ici, on ne peut pas dire que je suis un futur acheteur. Et on ne peut pas dire non plus qu'ils ont besoin de mes vidéos pour vendre. Donc, c'est vraiment c'est de l'altruisme et j'apprécie. Ils sont passionnés dans les trois marques. Hein. Ils sont aussi passionnés que ce que moi je le suis. Donc, moi, ça me bluffe. Ça me bluffe. Allez, on continue. Donc, là, j'ai expliqué. Là, c'est ça que je voulais te montrer. Oui. je vais te l'enlever après. Mais là, c'est pour les caméras. Bon, le coffre est ouvert, hein, c'est pour ça qu'on voit rien, ce qui est normal. Voilà, c'est le même que dans l'alcove. Hein. Téléphone, je vais mettre là, voilà, pour la navigation. C'est le même système, si tu veux voir tous les campings qu'il y a aux alentours, ben, il va chercher. Ici, il n'y a sûrement pas de réseau, donc on ne va pas le faire, mais il est super complet. Et alors, regarde. Je pars avec. Tu vois, on peut mal te le voler. Donc, tu pars avec ça et avec ton volant, il n'y a plus personne qui sait rien faire avec. Mais je trouve ça vraiment génial. Et là, évidemment, c'est porte-gobelet. Hein, voilà. Tu as... C'est magnifique. C'est magnifique. Le verrouillage de la porte, régler les optiques avant, les anti-brouillards, l'aide à la descente, l'aide... l'antipatinage pour avoir le volant qui tourne facilement quand tu es à l'arrêt, air conditionné, éclairage. Là au-dessus, voilà, l'autre. Je sais plus lequel c'est. Ah, c'est là en dessous, regarde. Allez, je vais rallumer comme ça. Là, c'est le volet. Voilà. Première pause, c'est fermé. C'est pas tout. Tu le mets comme ça et c'est ton pare-soleil. Et ça, c'est très bien parce que en général, tu as toujours une partie là où le soleil tape dans ta figure. Ici, ce n'est pas le cas. C'est fermé. Donc ça, c'est très bien. Donc, tu as vu, tu peux le mettre en bas avec une position discrétion pour qu'on voie, qu'on ne voie pas à l'intérieur, mais que tu aies de la lumière. Et je vais te montrer autre chose. Et ça, c'est la première fois que je le vois. Donc, en plus des fenêtres, des baies, je peux dire des fenêtres ici, hein, qui s'ouvrent électriquement, eh bien, le store, il se met comme ça. Donc, ça veut dire que tu peux avoir vraiment une vue 180 degrés, hein, sans qu'on ne te voie à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est super, tu vois. Hop, hop, hop. Et évidemment, tu peux les ouvrir. C'est vraiment comme une baie dehors, quoi. Super. Tu as vu, j'ai mis le contact, ben, les vérins, ils sont relevés. C'est le système de vérins. Voilà, donc là sur le coup, je pense que tu devras le faire sortir par la fenêtre pour pouvoir le faire, quoi, ou rester à l'intérieur. Pour ouvrir la trappe de carburant, je suppose. Là, régler ton rétroviseur. Ah, c'est sûrement, tu sais régler deux rétroviseurs à gauche, à droite. Ça, c'est très bien. Voilà, là, je te l'ai montré. Ici, l'anti-brouillard, sûrement pour le carreau. Là, c'est pour les rétroviseurs. Ici, c'est pour éviter de perdre le contrôle, donc tu restes bien droit sur la route. Ici, c'est ton différentiel. Là, c'est la caméra. La caméra, je sais pas de quoi. Ah, c'est là. Oh, nos signaux, à mon avis, n'est pas encore branché. Ici, en fait, c'est ta t'as les caméras, t'as quatre caméras, et ça te permet d'avoir une vue drone. Ça te permet
de voir, quand tu mets ton clignoteur, eh bien, il se déporte et tu vois plus du côté que tu as mis ton clignoteur. C'est vraiment top. Et en plus, tu vois, tu as un interrupteur ici qui te permet, au-delà du fait que tu aies mis le contact ou pas, de pouvoir voir quand tu es à l'arrêt, tu entends du bruit, tu allumes ici et tu vois tous les côtés de ton véhicule. Bon, j'ai réussi pas à l'allumer, c'est, voilà. C'est pas grave. Voilà, je t'ai montré tout de ce côté-ci. Là, c'est l'éclairage. Je sais plus de quoi. Je sais plus, mais c'est un éclairage. Les haut-parleurs. Je vais les oublier, mais là, tu as des prises USB et une prise 220 volts. Voilà, les sièges. Les sièges. Écoute, ça n'a plus rien à voir avec... Voilà, écoute, je suis assis dedans, je vais te montrer après, mais je te relève d'abord. C'est du cuir ici, hein. Il y a l'option cuir. Hein. Regarde un peu. Il manque un peu d'hauteur. Oh, yeah. C'est un véhicule de rêve. Hein. Écoute, c'est un véhicule de rêve. Là, c'est pour ton kit main libre. Voilà, là, c'est si jamais tes vérins sont mis, ça fait un bip et ça sonne. Il y a plein d'alarmes dessus. Hein. Évidemment, c'est recouvert. Hein, les... Je te montre ici aussi. Hop. Pour mettre une clé USB, par exemple. Là, c'est tous des aspects techniques. Pff, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Tu as un petit, une petite aumônière, mais tu n'as rien d'autre. Le même véhicule, ici, il est fait pour être en dessous de 9 mètres, 8 mètres 99, 8 mètres 99. C'est fait exprès parce que psychologiquement, si ça dépassait 9 mètres, les gens rebutent. Mais une fois qu'ils rentrent dedans et puis qu'ils se disent, tout compte fait qu'on a un garage derrière, on a un peu moins de place ici, enfin je rigole, moins de place, hein, et bien ils se disent, comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir un peu plus? Et à ce moment-là, eh bien, l'aspect, le déclic des moins de 9 mètres a sauté et ils prennent un 9 mètres 40 et ils n'ont plus de problème. Cela étant dit, moi personnellement. Et je voulais te dire, ici c'est pour deux personnes, mais tu peux avoir, à la place des armoires ici, tu peux avoir un lit pavillon. Donc ça, ce véhicule, franchement, il est fait pour être à 4. Hein. Enfin, deux à son aise. Là, sur le coup, hein, je me dis. J'ai pas les moyens, mais je pourrais ne pas avoir un salon à l'arrière. Je suis désolé, je ris, mais je vais avoir du mal de retourner dans mon autostar. T'as du rangement. Et profond, hein, et rien. Y a rien à dire, c'est tapis de sol partout, évidemment. Hein. C'est le plancher, mais avec cette hauteur là, c'est normal d'un niveau, sauf évidemment pour monter au garage. Voilà, là, c'est la casserole qui m'attend parce que j'ai un repas. Je vais aller manger et puis alors je continue la vidéo de ce véhicule après. Bon, il est tellement beau. Allez, c'est la première fois que je le fais, hein, pause, mais. C'est tellement grand, il fallait quand même bien que je mange tout à l'heure. Me revoici, j'ai fini de manger, c'était de la goulache. Vite fait, hein. Je pense que j'ai mis 20 minutes tout fait, parce que j'ai encore un autre véhicule, donc voilà, je continue. Tu vois, c'est ce type de lit pavillon que tu peux rajouter, évidemment, dans les véhicules. Bon. Il est électrique. Je ne sais pas où est l'interrupteur, mais je voulais te montrer. C'est possible. Tu vois? Voilà. Voilà, ça c'est le lit. Non, je le remonte parce que tu vois, j'avais pas descendu les sièges. Mais comme ça, tu as vu, c'est électrique. Voilà. J'avais fini le cockpit avant. Et maintenant, on va s'occuper. Je t'ai montré les armoires là au-dessus. Je vais d'abord faire tout le plafond. Parce que sinon, je crois que dans l'alcôve, j'ai oublié de te l'expliquer. Donc, simili cuir, comme dans le Palace Alcoven. Très bien. Parce que tu n'as pas de haute. Et pour moi, ça ne me dérange pas que du contraire. Parce que tu as un turbo vent. Et ça, c'est chouette.
D'ailleurs, dans les grands, les plus grands, c'est comme ça. Mais ça veut dire que tu peux avoir de la graisse qui vient se mettre ou des salissures de cuisson. Et comme c'est du simili-cuir, tu peux le laver sans problème. Donc, c'est une option, mais qui est, me semble-t-il, intéressante. Tu as une crédence tout autour de la baie, rétro-éclairée, éclairée. Oui, ça va. Je peux atteindre la manette, donc ça peut le faire. Tu as évidemment le moustiquaire et l'occultant. C'est assez classique à ce niveau-là. Tu as de l'éclairage tout autour. Tu vois. Poup, tu as du rétro-éclairage aussi. Hein, dans la moulure, là. Et c'est avec des dimmers. Hein. Je touche pas parce que je sais pas où ils sont tous. Donc, tu as un air conditionné ici. Et tu es encore dans la chambre de quoi voir les étoiles quand tu dors. Et rétro-éclairé, c'est magnifique. Je ne te montre pas le dessous, enfin en tout cas le lit. Alors, au niveau de la soute, c'est du tapis plein partout. Et contrairement aux véhicules qu'on voit souvent, ça soulève quand même, tiens. Tu vois, ça c'est de base, et alors ça c'est des moquettes qu'on rajoute. Alors, ceci, évidemment, c'est pour protéger, mais ça fait plein de trucs, il faudra passer aspirateur. Mais donc, ici, tu n'as pas de trappe en dessous. Hein. Je ne sais pas s'il y en a vraiment besoin. Voilà, ça c'était pour le sol, je te l'ai montré. Et maintenant, je commence par les armoires du salon. C'est un petit peu dans le désordre, mais j'ai tellement pas l'habitude d'avoir ce type de véhicule à présenter que j'en perds un petit peu mes moyens. Super rangement, franchement. Là, j'ai le genou qui est sur le... Je veux dire, ils sont, mais alors, tellement agréables. La finition. Franchement, c'est les interrupteurs, évidemment. Voilà. Tu vois, il y a plein d'interrupteurs partout, de l'éclairage là aussi. Voilà, de ce côté-ci, l'armoire de ce côté-ci. Regarde. C'est des aimants. Tu pourras mal, hein. Bon, tu pourras mettre beaucoup plus. Hein. Ici, c'est parce qu'ils en ont mis. Et c'est logoté, pardon. Je sais pas si on le voit. Morello, hein. Vérin, deux excellents vérins. Elle est là, la qualité. Rien à dire. Je le dirai 10 fois. Tapis. Ça, je vais dire, c'est bien. Hein. C'est même très bien, hein. Mais c'est assez classique, je vais dire. Ça, par contre, c'est un peu moins classique. Tu vois. Et le fait que, ce que je dis souvent, attention à ta fenêtre, c'est quand même un risque. Tu dois quand même faire attention. Mais ici, comme la porte s'arrête à 90 degrés, à 90 degrés, tu auras moins de risque de le casser, tu vois. Il faudrait vraiment que tu forces, mais là, voilà. Là, c'est pour ta télévision que je te montre tout de suite. J'attendais de voir, mais je dois avouer que là, je suis épaté. Ce que j'allais te dire, dans une autre marque, je disais, le coussin va sur la télévision et on ne voit pas le bas de la télévision. Ici, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment l'écran, donc il n'y a pas de souci. Mais tu ne sauras pas regarder la télé, là. Il faudra que tu te mettes, évidemment, sur les sièges qui sont à l'avant. Là aussi, mais ce sera quand même un petit peu plus cabreux. Tu auras intérêt à te mettre sur les sièges avant, qui sont super agréables. Tu as une barre de son. Je vais la redescendre, hein, comme ça. Mais tu vois, rien n'obstruera la télévision. C'est des grandes télévisions. C'est... Waouh. Allez, je la rentre. Super. Hein. Franchement, super. Faut quand même que je te raconte que il y a 3 semaines à peu près, j'ai cassé une pièce de mon micro qui est sur ma caméra. En fait, je l'avais déposé comme ça, mais dans la précipitation, j'avais été trop vite, ça s'est déséquilibré, tout est tombé. Et donc la pièce s'est cassée, c'est pour ça que il y a certaines vidéos où le son est un petit peu différent. C'est parce que j'ai dû chipoter avec mes backups que je fais.
pour pouvoir récupérer le son, parce que j'avais plus de son. Et j'avais plus. Donc, y a l'Edenkamp, il y a un fonds Vendôme et le Postol que j'ai fait. Et je pense même un LMC. Donc, voilà. Ça veut dire que maintenant, pourquoi je te dis ça? Je suis très prudent quand je mets mon pied dessus. Parce que ça m'a rien coûté, mais ça m'a coûté en émotion. Ça m'a rien coûté parce que franchement, j'aime pas faire de la publicité. De toute façon, c'est écrit partout, c'est DJI. Je les ai contactés directement en leur disant que j'avais cassé une pièce. Et 3 jours après, je l'avais à la maison. C'était offert gratuit. Quel service! Franchement, là, c'est du matériel qui a un certain prix, mais quel service, quoi. Voilà pour la petite histoire. On en revient à mon salon. J'ai tourné les sièges. Je l'ai pas dit, mais ils sont tellement simples à tourner. Hein, c'est là, hop. C'est tellement simple que je cherchais compliqué. Voilà. Et tu vois, le fait d'avoir retiré le volant, ça te permet vraiment d'avoir de la place, quoi. En termes de sécurité, c'est pas mal. Alors, le siège ici, accoudoir, c'est tellement qualitatif, franchement. Ah, il y a un tiroir ici. Alors, je te le dis tout de suite, hein, tout ce qui est tiroir, c'est qualitatif parce que je l'ai fait dans l'alcoven. C'est bien assis. Alors, ça sert à rien d'aller enlever, etc. D'ailleurs, ça s'ouvre pas. C'est des scratchs qui le tiennent, mais ici, c'est pas grave puisque. Ah, mais tu pourrais même te mettre ici pour la TV, il n'y a pas de problème. On est bien. Regarde. Ouh. C'est tellement grand. Je te monte la table. Et puis je bouge la caméra pour que tu voyes de l'autre côté. Allez, on regarde la table. Alcôve, j'avais pas réussi, mais voilà, ici j'y suis arrivé. C'était plus simple. En fait, il y avait une manette à bouger que j'avais pas trouvée. Alors, ça c'est une chose, et en plus tu peux le caler, ça sait pas s'ouvrir. C'est un double pied que je vais te montrer, et tu peux le descendre. Si tu veux faire un lit de dépannage, tu pourrais le faire. Bon, moi personnellement, si je dois avoir quelque chose, je mettrai un lit pavillon, même en perdant les armoires qui sont là au-dessus, hein. Parce que voilà. Qualité, elle bouge, mais c'est ridicule comme elle bouge, faut être clair. Hein. Et en plus, elle ne fait pas de bruit, mais c'est normal qu'elle ne bouge pas. C'est un double pied, donc tu peux mal de. Vraiment. Je te le montre comme ça, on le voit. Tu as tout ce qu'il faut là, c'est donc le chauffage là derrière, et il y a de l'aération, donc ça, il n'y a pas de coin où il risque de l'humidité s'installer. Et. Ici, si tu veux, il y a une petite grille et ça, c'est très bien. Alors là, tu peux l'enlever, mais ça ne sert à rien. Ouais, on voit que ce n'est pas un véhicule qui est prévu pour être à 4. Mais tu peux l'avoir, hein? Tu peux l'avoir. Je suppose que là, à ce moment-là, les choses sont amovibles là, mais ici, ce n'est pas prévu pour. Donc, voilà. Parce que tu n'as rien à bouger. Ici, tu as un tiroir que je vais te montrer, comme le tiroir qu'il y a là. Mais là, j'ai envie de te dire, on a déjà fait le salon. Déjà, j'exagère. Franchement, c'est impressionnant. Je suis occupé de perdre mes mots tellement je suis assez ébahi de voir ce que je vois. Les couleurs, je te l'ai dit 10 fois, tu as le choix comme tu veux, etc. Je te montre en dessous et puis alors on passe à la cuisine. Quand je te dis, je te montre en dessous. C'était pour te montrer que tu avais encore un tiroir ici. Hein. Tu vois? Et là, c'est tes arrivées de gaz. Donc ça, tu as tout vu. Je suppose qu'il y a quelque chose là en dessous, mais je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, c'est tout des scratchs, mais tu ne dois pas bouger. Donc. Allez, on passe à la cuisine. Et la cuisine, je commence par les armoires du dessus. Par les placards que les Français disent. Je savais pas. Voilà. Et de nouveau, c'est comme les autres. Il est monté. Bon, si mon épouse voit ça, ça va faire son bonheur. Hein.
Regarde ça. C'est top. Évidemment, ils l'ont mis comme ça, mais tu peux en mettre beaucoup plus, évidemment. Hein. Évidemment, 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 on a compris. Voilà. Ça se reclappe, mais sans faire de bruit. Enfin, très peu, quoi. Tu as... J'ai enlevé la casserole. Très dense, rétroéclairé, très joli. Très heureux. Très heureux. Et là, très heureux. Il y a juste... Hop. Hop. Des cliquets. Mais des cliquets de bonne qualité. Je l'ai ouvert sur l'alcôve. Bah, je peux le faire ici aussi. Hein. T'es pas obligé d'ouvrir. Tu vois, tu peux l'arrêter ici. Et si tu fais comme ça, ça se referme. On voit que c'est des cliquets de bonne qualité. Parce que sinon, tu es obligé de les ouvrir. Je rectifie un petit peu ce que je dis toujours sur les cliquets. En fait, ça dépend de la qualité des cliquets. Quand tu as des cliquets de qualité, tu n'es pas obligé de tout ouvrir la baie, la fenêtre, pour pouvoir le refermer. Voilà, donc il faut un petit peu moduler ce que je dis. Cela étant dit, moi, je préfère les Averin, ça c'est clair. Mais bon. Et ici, ce sont des baies en acrylique, hein, les 16, les domestiques de qualité. Mais tu as l'option, parce qu'il y a plein d'options, tu peux le moduler un peu comme tu veux, ton véhicule. Tu peux avoir des vitres, du double vitrage, vraiment comme à la maison. Aussi avec des cliquets, mais c'est des cliquets différents. Je te le montrerai dans un autre véhicule. Tu as ta machine à café Nespresso, tu as deux prises là. Et normalement, je ne les ai pas vues. Ah ben non, tu vois, dans un autre, dans l'alcoven, ceci, c'était là. Tu vois, et bien ici non, c'est là. Avec ton rouleau d'essuie-tout. Une vitre pour protéger, ta plaque de cuisson à deux feux, une grande et une petite, piézoélectronique, mais j'ai envie de dire c'est normal, hein, ça ne pourrait pas être autrement. Ceci c'est de la résine hein, avec de la pierre dedans, donc ils donnent la forme qu'ils veulent, c'est magnifique, hein, franchement. Contrairement à l'alcoven, c'est pas la même chose ici, tu vois. Enfin, quand je dis c'est pas la même chose, c'est parce que dans l'alcoven, tu en as deux. Tu as celui-là et un côté, mais ça se met autrement. Ici, tu ne saurais pas en mettre un là, quoi. Il faut te rappeler qu'ici, tu as le garage qui est là. Donc, tout est un petit peu rétréci. Voilà, c'était un choix. Alors, tu n'as pas d'anti-gouttes, mais par contre, ça visera bien. Alors, regarde, les joints partout, hein, pour éviter que ça ne couine, comme je dis. Poubelle. Bon, hein, tu peux recycler ici. C'est comme, je te promets, ma maison, c'est quoi que ça. Là, c'est pour ce qui est PMC, etc. Il y en a un, c'est pour les cartons. Et l'autre, c'est pour tout ce qui est film plastique. Voilà. Et tout ce qui est déchets végétaux, ça, on a une poubelle ailleurs. Parce que ça sent, ça. Pour ton range-couvert, là, ça s'ouvre pas. Dans l'alcoven, c'est possible. Mais nouveau, ici, c'est pas le même meuble. Hein. Hop, je relève ça là. C'est du métal. Hein. Grand tiroir. Ça va aller, hein. Ça va aller, hein. Alors, regarde. Ça bouge tellement peu, alors que c'est un grand truc. Hey, attends. Regarde là en dessous. C'est parce que tu as ta taque électrique, c'est pour ta taque de chauffage, ton point de chauffe. Voilà. Et tu peux l'avoir en option, une plaque électrique à induction, etc. Voilà. Je n'ai pas dit ici. C'est du plastique, mais c'est différent. Hein. Ici, tu as du caoutchouc. Donc, ça amortit, ça cale bien. Tu auras zéro problème. Tu auras zéro problème. Je l'ai dit, peut-être que c'est une option, je ne sais pas. Mais il y a d'autres marques où tu as un interrupteur et tout se ferme. C'est pas le cas ici, mais peut-être que tu l'as en option. Je n'en sais rien. Voilà, ça c'est cette partie-ci. Je continue avec de l'autre côté. Encore un tiroir. Ils exagèrent, ils mettent trop de tiroirs. Hein. Hop.
pour tes bouteilles de pinard. Ah, il y en a deux. Et pour tes bouteilles de pinard. Ça va aller, hein. On a du stock. Hein. Évidemment, regarde. Ça, c'est du métal. C'est... Voilà. Ici, c'est un four micro-ondes qui fait grill et qui fait four ventilé. Pas mal. Non, c'est pas du Trimix. C'est un frigo à compression. Voilà, un Dometic. Et je pense, hein, c'est, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je pense que, je ne sais pas comment on l'allume, je pense que ici, c'est à absorption, mais qui travaille avec le groupe en dessous à compression. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que tu as des ailettes Coxa. Je m'étais trompé dans certains véhicules où je disais oh, c'était absorption, mais non, c'est pas vrai. Je suis certain que je ne me suis pas trompé, parce que si c'était absorption, il y aurait aussi des ailettes là, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, évidemment, il s'ouvre des deux côtés, tu vois. Donc, si tu es dans ton salon ou si tu es dans ta chambre à coucher, voilà. Là, je l'ai montré. Maintenant, ici, je pense que je t'ai parlé de tout ça. Oui, oui, je te l'ai dit à tout ça. Voilà. La sonde, moi personnellement, je trouve qu'elle devrait être ailleurs que là. Elle est trop près de la porte, ça veut dire qu'à chaque fois quand tu ouvriras la porte, tu auras un appel d'air et ton chauffage est mettra en route. Des patères, qui sont bien parce que des fois on le met sur la porte, mais quand tu ouvres la porte et ce qui est dessus, bah, ici il pleut, ça se mouille. Ici c'est tout ce qui est électronique. Là tu vois, j'ai pu ouvrir tout à l'heure la télévision parce que j'avais allumé ceci, mais je le coupe. Là, ici, les alarmes, en fait, ça se met ici. C'est t'as plus d'eau, t'as pas de gaz. Si il manque des trucs, ben, ce sera écrit ici aussi. Voilà. Alors, info, c'est pour la lampe, pour ta pompe, la radio, pour tes bonbonnes de gaz qui chauffent. Hein, enfin, pas les bonbonnes, hein, le détendeur. Hein. Et alors, tu as pour tes batteries, pour tes réservoirs d'eau, pour ton réservoir de toilette. Voilà, voilà, température à l'intérieur, à l'extérieur, l'heure, la date, tout ce qu'il faut. Voilà, ici, c'est pour ton antenne satellite. Ici, c'est pour ton chauffage ALD. C'est le 330, je vais le couper après, mais quoi que ça, tu le vois. C'est le nouveau, en fait. Hein. Ils ont changé de forme. Mais voilà, classique, avec tout ce qu'il faut, tu peux choisir gaz, électricité, etc. Je le rééteins. Le bouton, là, c'est pour l'allumer. Aussi, mais pour que l'échangeur du moteur puisse utiliser le chauffage sans que tu ne consommes ni de gaz ni d'électricité. Ici, c'est pour tes batteries. Écoute, je n'ose pas y chipoter, mais tu as toutes les informations par rapport à ça. Pour ton panneau solaire, je pense que c'est celui-ci. Je ne sais plus où c'est. Mais donc, tout ça, ça c'est pour les panneaux solaires. Voilà, ça te donne la production, mais évidemment ici, c'est 0% forcément. voilà, je recommence ici, c'est pour ton convertisseur, pour avoir du 230 volts dans ton véhicule. Et il faut savoir, il me l'a montré hier, le monsieur qui m'a tout expliqué, qui s'appelle Andreas, qui m'a accueilli, c'est vraiment une personne très agréable. Il m'a expliqué, par exemple, si tu arrives dans... un camping où tu peux avoir seulement 6 ampères, eh bien, tu le règles sur 6 ampères et il va prendre ce qu'il peut sur la borne électrique et le reste, il compensera avec le matériel qui est embarqué. Quoi. Voilà. Bien, franchement, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la salle d'eau. J'espère que j'oublie rien. Sur le coup, je ferme la porte. Voilà. Hop, hop. Et là, je ferme la porte aussi. Hein. Voilà. Voilà, je suis dans ma salle d'eau. L'airco ici, alors ferme pas les portes parce que sinon tu auras bien froid ici, mais tu auras chaud ailleurs. Et il est bien mis dans le sens que quand tu es au lit, ben, si tu le mettais plus par là, ben, tu aurais chaud et vice versa. Donc il est bien mis. Radiateur,
lavabo, c'est un modèle que j'aime bien. Franchement, l'implantation, je l'aime vraiment bien. Donc lavabo avec tout ce qu'il faut. Hein. Ça, c'est la douchette. Si tu veux laver juste tes cheveux ici, tu peux le faire. Prise 220, 220. Tu peux avoir du 220 tout le temps ici dessus. Hein. Voilà. Ici, j'avais peur de dire on va mettre ses doigts, mais non, parce que tu as des petites pattes là. Avec du rangement, en veux-tu, en voilà, de l'éclairage. La même chose là. Et évidemment, la même chose là. Et alors, on m'a expliqué, tu vois, ça se referme tout seul. Tiens. On m'a expliqué, il paraît que les dames, elles aiment bien ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Et donc, ça peut se faire et c'est pour ça que l'éclairage est là. Je ne le savais pas, hein, j'ai appris ça. C'est pour ça qu'il y a de l'éclairage. Il y a des patères. Hein, joli. Hein. Tu vois ce que je t'expliquais pour l'aération et le chauffage. Tu as pour ton papier USC une baie. Il y a des véhicules, mais ici, tu ne saurais pas, tu n'as pas l'espace. Mais l'OEC est différent. Donc ça, à la limite, tu peux regarder à la fenêtre quand tu roules. Voilà. Du rangement. C'est haut, c'est parfait. Là, c'est pour ton broyeur, pour la toilette, etc. Je ne vais pas le faire. J'avais pas vu. Voilà. Tu peux choisir entre des tablettes ou une penderie. Et tu as une penderie ici. Et tu peux remettre des tablettes là aussi, si tu veux. Voilà. Là, c'est... Je te le montre. Mais si tu vois dans l'alcôve, je l'ai fait pour tout, c'est tout des endroits techniques pour pouvoir atteindre les choses. Tu as de l'éclairage, voilà, ça se referme. Je refinis ici parce que j'ai oublié les tiroirs. T'as de quoi ranger, hein ? On est d'accord. Ici, c'est pour... dans l'alcôve, comme c'est plus profond, eh bien, tu as une tige. Ici, c'est des patères qui sont là pour mettre tes essuies, tes draps de bain, tout ce que tu veux. Je sais pas, ça dépend des pays. Je te l'ai dit, ici, c'est le chauffage. Et là, c'est la douche que je mesure, mais que je connais déjà. Hein, c'est 80 sur 70 ou 70. On va voir. J'ai arrondi, hein, parce que c'est un peu plus. C'est du verre. Hein. C'est du verre. Alors, ta carrure, pour rentrer dedans, tu pourras faire 50 cm. Mais si tu rentres comme moi, parce que je suis trop fort, tu pourras avoir ta carrure comme la mienne, qui arrive à 1m12. Dans ce sens-ci, 85 cm. Et dans ce sens-ci, 75 cm. Et là, c'est 2m10 de mémoire. 1m97, 1m97 pour arriver comment pour attacher, mettre tes combinaisons de ski par exemple, mais donc 2 mètres au-dessus. Alors, j'ai fermé et maintenant je fais le tour. Et regarde, parce que je disais l'autre fois quand j'étais au salon, il n'y a pas assez de place, mais. Réfléchis, hein, regarde, hein, tu en as juste deux là, tu pourras mettre 5-6 produits ici, plus tu fais pendre des trucs là, comme mon épouse fait, tu en as encore là, alors là, madame, même mon épouse, elle en aura assez. Et attends, je te montre autre chose. Évidemment, je te parle pas de ça, mais regarde ici. Voilà, c'est ton vase d'expansion pour ton chauffage à LD. En général, ils mettent ça dans les garde-robes, eh bien, ici, c'est placé là, ça dérange personne. Maintenant qu'on a fait le tour, on rentre dans la chambre qui est particulière puisqu'il y a un garage en dessous. Ici, tu vas voir le lit avec un garage et dans un autre véhicule que je vais faire, que tu retrouveras dans la playlist Morello, tu verras le même lit mais sans le garage. Évidemment, tu n'as pas besoin de monter. J'allais dire c'est plus agréable, c'est faux parce que c'est différent. Voilà, on rentre dans la chambre. Et forcément, puisqu'en dessous, c'est le garage, le lit, il est plus haut. Là, c'est le thermostat. Il faut bien le mettre quelque part. Et tu vois, là, tu as une télévision, mais une grande télévision. Oh. C'est extraordinaire. Franchement, l'épaisseur, c'est... Je ne mets pas mes pieds sur le lit parce que tout est déballé, etc. Je ne veux pas le salir, mais tu pourras te mettre pour lire, tu pourras te mettre assis pour regarder la télé sans problème, puisque les armoires, parce qu'il y a des armoires, elles sont mises de manière à ce que tu puisses t'appuyer dessus, et avec tous les coussins que tu as, t'as pas de problème. Hein.
Regarde, voilà, je suis assis, voilà où je suis avec mon pied. Les géants pourront de la place pour. Franchement, je vais pas tout ouvrir, je vais en montrer une. Voilà. Tu vois, tu as du rangement. Hein. Évidemment, tu as trois portes comme ça. Hein. Et là, tu as une prise USB, une prise de 120 volts, les interrupteurs. Voilà. Et tu vois, même en comptant tout, tu ne pourras pas mettre ton oreiller, évidemment, parce que tu ne sauras pas l'ouvrir, mais c'est vraiment bien pensé. Bah, moi, je suis fan, hein, franchement. Mais bon, moi, ce n'est pas ce type de véhicule que je voudrais, c'est trop grand. Alors là, bon, c'est bien, tu peux le bouger, tu as un petit tiroir. Un grand tiroir. Et ici, c'est une penderie, mais tu as le choix. Moi, je penserais plutôt que la penderie, je la mettrais devant. Et ici, ce sera du rangement. Voilà. Et alors, hop, hop, hop. Évidemment, tu es haut, hein, tu vois. Et c'est normal. Voilà. Alors, si tu vas de l'autre côté, évidemment, tu as identiquement la même chose. Voilà. Bon, sur le coup, maintenant, je vais faire la conclusion et on retourne dans le salon. Conclusion. Avec un volant en main. Est-ce qu'il y a quelque chose de bloquant? Zéro. Zéro, c'est impossible. Waouh. Waouh. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pourrais te dire les cliquets, mais sincèrement, même pas. Même pas. Même pas. À adopter sans hésiter. Tout est parfait. C'est dans les rares dans les véhicules. Je l'ai déjà dit dans certains autres, mais je vais pas la tirer longue. Elle est parfaite. T'as vu, je vais pas répéter tout. Franchement, je suis subjugué. Alors les coloris et tout ça, t'as tellement le choix que je vais faire après celui-ci, mais donc il sera sûrement peut-être publié déjà. Hein, mais je vais faire encore un plus grand, l'Empire. Il y a encore le plus grand, c'est le Grand Empire. Mais ici, je vais faire l'Empire. Et tu vas voir la couleur, la deuxième couleur, la deuxième teinte plus foncée, que moi, j'aime pas. Hein, mais c'est moi ça. Hein. Et donc, tu as le choix. Je t'ai dit, tu as une kyrielle de cuir, de tissu, de revêtements. Tout, c'est du sur-mesure. Pour moi, c'est du sur-mesure. Est-ce que je l'achèterai? Ça, c'est une bonne question. Ça me ferait dire que Iveco, mais non. Non. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il y a des choses négatives. Hein. Pas du tout. Il n'y a rien de négatif. Mais, c'est trop grand pour moi. Même si je vivrais à l'année, c'est... Enfin, je dis ça, tout compte fait, tu as quand même un garage, tu pourrais mettre une petite voiture, tu n'as plus besoin de maison. Je sais pas, non, non, c'est trop grand pour moi. On pourrait dire ça autrement. Si maintenant j'ai plus de maison du tout, il me faut un garage, c'est bien. Mais il faudra toujours prévoir, quand tu es vraiment nomade, on n'en parle jamais assez, mais quand tu es vraiment nomade, que ce soit des palais comme ici, comme ce palace, ou n'importe quel autre véhicule, il faut toujours te dire que si tu as un problème mécanique, un problème au niveau de la cellule, etc., ça arrive, hein. Un accident, un accrochage ou même des défauts, quoi que ce soit, il faut que tu rentres ton véhicule au garage. Donc si tu n'as pas de point de chute, bon ici tu auras ta voiture, ce ne sera pas sans rien. Hein. Mais si tu n'as pas de point de chute pour dormir, tu ne vas pas dormir dans ta smart télévision. Non, hein, on va recommencer. Dans ta smart, le véhicule, la voiture. Donc il faudra que tu prévoies d'aller à l'hôtel. Voilà, ou des gîtes, ou tout ce que tu veux, ou te faire inviter. Mais donc, les nomades, il faut qu'ils se disent, s'il y a un couac, bon, on peut s'arranger, je vous mets mon véhicule dans le garage le temps que vous le faites pendant la journée, et puis je viens le rechercher le soir pour dormir sur le parking. Mais quand c'est un problème de cellule, etc., ils ne savent pas arrêter, donc non. Il faut prévoir à l'extérieur. Voilà, j'en profite pour expliquer ça, parce que comme ma conclusion elle est vite faite, voilà. Mais non, je ne l'achèterai pas. Tu vois, quand je dis « mais non, je ne lâcherai pas », il y a une petite voix qui me dirait « eh oui, mais… » Donc, voilà. Si j'ai un pied à terre, un point de chute, non, je ne lâcherai pas. Ce sera plutôt le Palace Alcove qui, moi, le 88, il est… Je pourrais partir avec, franchement. Voilà. Si maintenant, j'ai plus de point de chute, ben, c'est un prix, même en vantant ma maison, hein, je ne saurais pas l'acheter. Donc… puisqu'on parle de prix, eh bien,
On parle de ça maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Tu pourras te rendre sur tous les continents, du plus chaud au plus froid. Mais tu ne pourras pas te rendre partout. C'est clair qu'avec ces dimensions et ce poids, reste bien sur la route et évite les épingles de cheveux qui foisonnent dans les petits villages. Mais bon, tu pourras toujours embarquer une petite voiture sur une remorque, si tu veux évidemment. Et si tu veux te rendre dans un camping, renseigne-toi sur les emplacements pour savoir s'ils savent accueillir ce petit bébé. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de café que tu veux. Cela me fait évidemment plaisir. Mais cela souligne surtout, pour moi, que tu apprécies ce que je te propose toutes les semaines depuis plus de 2 ans maintenant. Et pour ça, je te dis déjà merci. L'algorithme de YouTube met en avant les vidéos pour lesquelles le spectateur a cliqué sur ce qui est appelé la vignette. C'est la petite photo qui défile quand tu scrolles ce qui t'est proposé. J'aurais dû être grand, j'aurais dû être blonde et j'aurais dû être jeune. Mais aussi quand il y a une interaction pendant la lecture de la vidéo. C'est pour cela que je te demande toujours de cliquer sur le pouce en l'air et de placer un commentaire sous la vidéo. Ces simples gestes gratuits m'aident réellement. C'est en quelque sorte ma récompense. Et tant qu'on est dans les infos diverses, je te propose de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne serai pas publié sur YouTube. Toutes les informations sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, ce constructeur agit et même s'il ne communique pas sur le sujet, pour moi c'est une erreur de ne pas le mentionner, il y a des faits bien concrets. L'isolant 100% recyclable et recyclé, utilisé pour les camping-cars. Les déchets d'aluminium qui sont aussi recyclés. Mais il y a aussi, par exemple, les déchets de bois qui sont transformés en pellets pour le chauffage. Bref, tout pour me rendre heureux. Alors, est-ce un sujet important dans le monde des véhicules de loisirs? Là, j'ai envie de te dire, je te retourne la question. J'en parle simplement parce que certains constructeurs agissent au niveau de leurs empreintes carbone. Et donc, j'aborde ce sujet pour t'en informer. Nous sommes au mois de décembre. À cette date, ce véhicule, avec toutes les options embarquées, sera vendu à 415 000 euros. De base, il est affiché à un peu moins de 300 000 euros. Ce sont des prix pratiqués en Allemagne avec une TVA, taxe sur la valeur ajoutée, de 19%. C'est moins qu'en France et c'est moins qu'en Belgique. Une dernière chose avant de te saluer, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et il me reste à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.